Bonjour à tous déjà, ça fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et ben, je me suis tout simplement déchiré les ligaments du genou. Sympa. À ski. T'étais où? J'étais à Limone en Italie. À Limone en Italie. Et premier jour, trop... Vous voyez, j'entendais tout à l'heure dans la loge, Max vous y est très justement, il faut avoir confiance en soi. Mais des fois, il ne faut pas trop avoir confiance en soi. J'ai eu tellement confiance en moi que première heure de ski, piste noire à fond et boum, le résultat. À froid. Donc, il faut être prudent aussi. Voilà. En tout cas, on est très content de t'avoir ici. On peut l'applaudir. Frédéric Lenoir, merci. Merci d'être là. Donc, Frédéric, vous êtes auteur de tellement de 50 ouvrages, 7 millions d'exemplaires. Je sais que ce n'est pas arrivé par un coup de baguette magique. Je ne pense pas que vous êtes levé un jour en disant « j'ai un talent inné » et puis c'est arrivé comme ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre origine, d'où vous venez, où vous êtes né, un petit peu juste qu'on se situe un petit peu. Comment a commencé l'histoire? Alors, je suis né très loin d'ici. Je suis né à Madagascar, magnifique pays, mais que j'ai pas beaucoup de souvenirs parce que j'ai quitté, j'avais 2 ans. Et puis ensuite, mes parents, mon père travaillait à Paris, c'était un haut fonctionnaire, ils voulaient qu'on soit élevé à la campagne. Du coup, j'ai grandi dans une petite ville de l'Essonne qui s'appelle Dourdan. Et pour moi, c'était merveilleux. Ah ben, je vois qu'il y a des gens qui connaissent. Et donc, ce qui était merveilleux, c'est que j'étais dans la nature. Donc, on avait un beau jardin, il y avait une rivière au bout du jardin. Et je dirais que c'est ce qui m'a sauvé la vie, parce que mes parents avaient beaucoup d'amour. Ils cherchaient à nous donner le meilleur, mais ils avaient tellement de problèmes personnels que c'était très chaotique à la maison. Et la relation, je l'ai souvent dit, donc ce n'est pas un scoop, la relation était vraiment très peu nourrissante sur le plan affectif. Avec beaucoup de tension, je disais à mes parents, je vous en supplie, divorcer, vous voyez, donc à 8 ans. Bon, ouais. Bon, ils ont attendu, ils ont divorcé à l'âge de 80 ans, donc vous voyez, l'espoir est permis. Mais vaut tard que jamais. Et donc, en fait, c'est la nature qui m'a vraiment apporté l'amour dont j'avais besoin. Et c'est la relation aux animaux, c'est la relation à la nature qui m'a nourri, et je suis parti dans les rêves, je suis parti dans l'imaginaire. J'ai fui quelque chose, donc j'ai quitté un peu mes émotions, je me suis coupé de mes émotions, et je suis parti dans l'imaginaire, et je me suis dit, je vais raconter des histoires. Et ma vocation d'être écrivain, c'est parti d'une souffrance intérieure. C'est parce que j'étais mal dans ma peau, parce que j'étais assez malheureux affectivement, que je lisais des histoires et je voulais en raconter aussi. Et mon premier livre, je l'ai écrit, j'avais 12 ans. Donc c'est vraiment une vocation, mais qui est née d'une souffrance. Et vous savez, c'est plein d'enseignements, parce que très souvent, il y a des gens qui disent « j'ai eu une enfance difficile, il y a eu des choses bien pires que moi, évidemment, j'ai eu tel problème, telle maladie, etc. » Mais tout ça peut nous permettre d'aller chercher en nous des forces qu'on n'aurait pas été chercher si on n'avait pas été blessé par la vie. Et vraiment, pour vous, c'était en fait un cadeau. C'était un cadeau. Et aujourd'hui, je dis merci à la vie d'avoir eu les parents que j'ai eus. Parce que si je n'avais pas eu ce chaos-là, je ne serais pas devenu écrivain. C'est génial. Comme quoi, tout se transforme. On peut l'utiliser comme excuse. Tout se transforme. C'est le thème de la journée. Tout se transforme. Et donc, effectivement, on peut passer sa vie à se plaindre de ne pas avoir eu la chance de naître. Et moi, je sais qu'adolescent, j'étais en colère contre la vie. Je disais, mais j'aurais tellement aimé être dans une famille où les gens s'entendent bien, où les parents vous disent « je t'aime ». Moi, ma mère, elle nous disait jamais « je t'aime », elle nous touchait jamais, elle nous prenait jamais dans les bras. Parce qu'elle était dans une éducation très catholique où sa mère lui avait dit « ne touche jamais tes enfants, tu vas éveiller leur sexualité ». Alors moi, j'ai dit à ma mère un jour, beaucoup plus tard, « tu sais, maman, c'est raté hein. ». Parce que, au contraire, j'ai cherché à me faire consoler par tellement de femmes pour compenser ce que tu ne m'avais pas donné. Bon, heureusement, j'en suis sorti, mais je dirais qu'il y a vraiment il y a eu un manque très profond. Et j'étais en colère contre la vie. Jusqu'au jour où j'ai compris que ce manque, ça m'avait permis d'être résilient, d'aller chercher d'autres choses, d'aller chercher déjà à faire des thérapies, c'est-à-dire à me soigner, à prendre soin de moi, à grandir en confiance en moi, retrouver... Vous cherchez à vous comprendre, c'est ça? Pour me comprendre, me connaître, savoir pourquoi, j'entendais tout à l'heure dans la loge le témoignage d'Arthur, mais moi aussi, j'ai jamais pu dire à une fille que j'avais du désir pour elle entre 14 et 18 ans, parce que j'avais trop peur. Je me disais, ça va être comme ma mère, elle va me rejeter. Et donc jamais je ne pourrais faire ça. Et je n'ai réussi qu'après une thérapie. Donc, bon, il n'y avait pas à l'époque de coaching, etc. Et tout. Donc, j'ai fait une vraie thérapie et ça m'a aidé parce que j'ai gagné confiance en moi. Et après, je n'avais plus peur d'être rejeté. Donc, c'est évident qu'on est tous dans des schémas comme ça. On a tous des blessures, des peurs de rejet, d'abandon, etc. Mais il ne faut surtout pas se plaindre. Il faut être actif, il faut agir et faire ce travail de transformation de soi. Parce que pour moi, on est sur Terre pour ça. Pour moi, la Terre, c'est une école dans laquelle on est là pour grandir. Pour grandir en amour, pour grandir en conscience.
et que tout le chemin de la vie, c'est ce parcours de croissance et c'est la transformation de soi qui est le sens de la vie. Et donc, j'adhère totalement, effectivement, à ce thème que vous développez, qui me paraît très important. On est là pour évoluer, pour grandir, pour se transformer. Et pour moi, c'est l'essence de la vie spirituelle. La vie spirituelle, ce n'est pas d'être religieux. On peut être religieux et spirituel. On peut être spirituel et pas du tout religieux. Je distingue totalement les deux. Pour moi, la religion, c'est le collectif. C'est l'appartenance à une communauté, à une culture. Et après, la spiritualité, c'est intérieur, c'est personnel. C'est vraiment le rapport que chacun d'entre nous entretient avec la vie, avec soi-même, avec le monde, avec les autres. Et ce travail-là, il peut se faire, il ne peut se faire que dans l'intimité de sa vie, que dans sa vie intérieure, que dans sa conscience, que dans cette observation de soi qui fait qu'on essaye de grandir et de s'améliorer pour devenir une meilleure personne. On va applaudir pour ça, magnifique. Et quand vous dites observation de soi, concrètement, comment vous faites, Frédéric ? Alors l'observation de soi, en fait, c'est essayer de comprendre mes réactions. C'est-à-dire, je me dis, tiens, pourquoi j'ai réagi comme ça ? Pourquoi, quand telle personne m'a ou insulté ou dit une parole un peu dure et tout, pourquoi j'étais en colère ? Pourquoi j'ai eu de la tristesse ? Et donc, j'essaye de comprendre mes émotions. Donc, ça commence beaucoup par l'observation de nos émotions, de nos réactions. Pourquoi on réagit à telle chose ? Et du coup, on remonte la file des causes et des effets. C'est ça. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je me suis senti comme ça. Comme ça, je me suis senti rejeté. Pourquoi je me suis senti rejeté ? Peut-être parce que j'ai déjà été rejeté. Quand est-ce que j'ai été rejeté dans ma vie ? Et là, on en remonte et on remonte comme ça, jusqu'à la cause, la blessure originelle. Et on s'aperçoit qu'on ne cesse de reproduire les mêmes mécanismes. C'est ça. Et donc, toute sa vie, si on a été rejeté enfant, on se mettra dans des situations où on sera rejeté. Et tant qu'on n'a pas pris conscience de ça, on ne peut pas s'en libérer. C'est pour ça que je dis, tout le chemin de la vie, c'est de passer de l'inconscience à la conscience. Il faut devenir conscient de tous les mécanismes intérieurs qui font qu'on répète les mêmes erreurs, les mêmes scénarios névrotiques. Freud l'a très très bien expliqué avec le mécanisme de répétition. Et donc, il faut sortir de ça. Et pour sortir de ça, la première chose, c'est la prise de conscience. Après, il y a un travail à faire qui n'est pas simplement la prise de conscience, qui est la confrontation avec le monde, avec les autres, et prendre sa place. Confrontation, c'est-à-dire ? Ben, confrontation, c'est-à-dire s'affirmer. Et une fois qu'on a pris conscience, il faut effectivement, énergétiquement, s'affirmer. Ce que vous avez fait, et alors je pense qu'une fois, c'est bien, il faut le faire beaucoup plus souvent, presque tous les jours. Exactement. C'est-à-dire, il faut se relever, il faut se redresser, il faut reprendre sa place dans le monde. Mais il faut déjà avoir conscience de la problématique et souvent de la cause. On n'a pas toujours accès à la cause. Des fois, c'est inconscient. On ne peut pas avoir accès à la cause. Mais si on peut en avoir accès, c'est mieux. Et du coup, on a une meilleure connaissance de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pour ça que je dis souvent, on ne naît pas libre, on le devient. Parce que, en fait, aujourd'hui, on croit être libre parce qu'on fait ce qu'on veut. Mais en fait, on n'a jamais été autant aliéné qu'aujourd'hui. On est aliéné en permanence aux besoins de reconnaissance. On est aliéné à tous nos objets, nos smartphones, etc. Moi-même, j'ai un mal fou à me libérer de toutes ces technologies qui nous envahissent, qui nous rendent service et qui, à la fois, nous rendent complètement addicts. Ouais. Donc, on a créé plein d'addictions aujourd'hui. On est aliéné au regard des autres, aux besoins aussi de répondre à la norme sociale, etc. Il y a une publicité qui nous matraque en permanence que pour être heureux, il faut posséder un tas d'objets. Alors qu'on sait très bien que le bonheur, il ne vient pas du tout de la possession des objets. Il vient simplement de la qualité d'être et de la qualité de relation à soi, aux autres et au monde. Et donc, on est aliéné à tout ça. Et on n'est pas libre. Même si on pense pouvoir faire ce qu'on veut, en fait, on n'est pas libre du tout. La vraie liberté, elle est intérieure. La vraie liberté intérieure. Il faut pouvoir librement faire des choix qui correspondent profondément à ce qui nous convient. Et d'ailleurs, il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Spinoza, qui est dur à lire. C'est pour ça que j'ai écrit un livre sur lui qui s'appelle Le Miracle Spinoza. Oui, oui. Je vous engage à lire ce livre si vous êtes sensible à ce que je vais vous dire à l'instant sur la philosophie de Spinoza. Spinoza a vécu au XVIIe siècle. C'est un des plus grands philosophes de tous les temps. Et cet homme-là, en peu de temps, il est mort jeune, comme Mozart, c'est le Mozart de la philosophie. Il nous a dit l'essentiel de ce qu'on peut comprendre en philosophie éthique, à savoir que la morale, l'éthique, ce qui guide nos vies, ne doit pas être fondé sur une norme extérieure. Ce n'est pas parce qu'on nous dit « tu dois » qu'il faut faire les choses. Il nous dit la morale, l'éthique doit être fondée sur notre intériorité et sur ce qui nous met dans la joie. Et donc, nous dit-il, ce qui est juste pour nous, c'est ce qui nous met dans une joie profonde. Parce que les petits plaisirs, ils peuvent être égoïstes, ils peuvent nous conduire à faire des actes contre les autres et tout. Mais les grandes joies, jamais.
Et lorsqu'on est dans une grande joie, c'est qu'on fait quelque chose qui est bien. Et qui est bien pour nous parce que ça nous fait grandir. Et donc il dit, tout organisme vivant fait un effort pour persévérer dans son être et pour grandir. Et chaque fois qu'il grandit, que son énergie vitale grandit, il est dans la joie. Chaque fois qu'il régresse, chaque fois qu'il y a un obstacle qui l'empêche de s'accomplir, d'être lui-même, de s'affirmer, il est dans la tristesse. Et il nous dit, ce qui doit guider notre vie, c'est qu'est-ce qui nous met dans la joie, qu'est-ce qui nous met dans la tristesse. Évitons ce qui nous met dans la tristesse, allons vers ce qui nous met dans la joie. Donc c'est comme un GPS intérieur. C'est un GPS intérieur. Mais ça, c'est libérant. Ça nous libère de toutes ces morales culpabilisatrices de « tu dois et tu dois pas ». Non, qu'est-ce qui me met dans la joie? Et donc, il faut trouver ce qui nous met dans la joie profonde. Et il faut éliminer... Ça, c'est dans notre... ça apprend à se connaître. Eh bien, ça apprend à se connaître. Et il nous dit, tout est une question de rencontre. Notre corps, notre esprit, notre cœur rencontre des objets, des personnes, des choses, des idées. Et il y a des idées, des choses, des personnes qui sont mauvaises pour nous, qui nous diminuent. Ça nous met dans la tristesse. Et puis, il y a des personnes et des rencontres et des choses et des idées qui nous font grandir. Elles nous mettent dans la joie. C'est vers ça qu'il faut aller. Donc quand vous lisez un livre et que l'idée vous met dans une joie incroyable, c'est que cette idée est bonne pour vous. Mmh. Et une autre personne, ça la mettra dans la tristesse. C'est que cette idée n'est pas bonne pour elle. Et c'est pareil pour les rencontres. Quand vous faites une rencontre qui vous met dans l'enthousiasme, il y a quelque chose qui vous fait grandir. Alors après, petit bémol, il y a des fausses joies. C'est ce que j'allais te poser la question. Il y a des fausses joies. C'est-à-dire qu'il faut se méfier parce que des fois, on est dans l'enthousiasme, dans la joie, parce qu'on va tomber amoureux de quelqu'un. Formidable. Mais il nous dit, attention, il faut que la joie soit accompagnée d'une idée adéquate. C'est-à-dire qu'elle soit fondée sur la vérité, sur une idée vraie. Or, Spinoza nous dit, nous avons un tas d'idées inadéquates parce que nous nous illusionnons à cause de nos passions. Et donc, souvent, nous désirons quelqu'un. Il peut y avoir une très forte attirance sexuelle, par exemple. Et nous allons dire, cette personne est bonne pour nous. Et ça nous met dans la joie. Sauf que non, on la désire. Ça ne veut pas dire qu'elle est bonne pour nous. Et donc, il nous dit, faut d'abord être lucide sur ses passions. Et donc, il faut savoir si l'idée qui accompagne la joie, elle est vraie ou pas. Et pour ça, il faut connaître l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'il nous dit, alors écoutez bien, parce que c'est une définition qu'on ne vous donnera jamais dans une journée de coaching, la définition de l'amour de Spinoza. L'amour, c'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. Alors ça c'est pas excitant du tout, hein. Mais c'est tellement vrai. L'amour, c'est une joie liée à l'idée de cause extérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, par exemple, on va rencontrer quelqu'un, ce qui nous met dans la joie, c'est pas la personne, c'est l'idée qu'on en a, la représentation qu'on a de l'autre. Et on est dans la joie parce qu'on tombe amoureux d'une idée, d'une représentation, d'une image, d'une projection. C'est ça. Et ben, 9 fois sur 10, on se plante. La personne n'est pas ce qu'elle représente ou l'image qu'on en a. Parce que d'abord, quand on rencontre quelqu'un, on cherche à donner le meilleur de soi. Si vous rencontrez, vous allez pour une première fois dans une rencontre amoureuse où vous êtes attiré par quelqu'un, vous n'allez pas dire, tu sais, je suis un loser, finalement, puis je ronfle la nuit, etc. Non, vous allez dire, je suis un vainqueur, je suis un gagnant, je fais du yoga, de la méditation. Donc, on montre le meilleur de soi, même si ce n'est pas vrai. Et puis, souvent, on attend que l'autre réponde à nos besoins. Donc, on va projeter sur lui toutes les attentes qu'on a non résolues. J'ai besoin de rencontrer le prince charmant. Alors, on imagine que l'autre, c'est le prince charmant. Il a forcément toutes les qualités que j'attends de lui. Et on ne le regarde pas tel qu'il est, on le regarde avec le prisme de nos attentes et de nos besoins non résolus. La perception est totalement biaisée. La perception est biaisée. D'où la nécessité de faire un travail de conscience et de lucidité pour vraiment avoir de la distance et observer l'autre, plutôt que de projeter tout de suite tous nos désirs. Et du coup, une fois qu'on connaît vraiment l'autre, et si on a de la joie à le rencontrer, cette joie, elle est éternelle, nous dit Spinoza, parce qu'elle est vraie, elle est fondée sur la vérité. Et donc, tout amour fondé sur la vérité est éternel, toute joie fondée sur la vérité est éternelle, rien ni personne ne peut l'enlever. C'est pour ça que le travail de conscience, de connaissance, d'observation, de lucidité, de discernement, c'est le fondement de toute vie heureuse. Magnifique, magnifique. Oh. On vous sent animé, Frédéric. On sent que vous animez. Donc ça, c'est de la passion. Et donc depuis 12 ans, bah, depuis l'âge de 12 ans, c'est une passion. Est-ce que ça a toujours été facile? Maintenant, vous êtes connu pour être auteur best-seller de millions, bref, d'exemplaires, etc. Mais comment ça arrivait? Est-ce que ça arrivait par coup de baguette magique? Le succès a été immédiat? Comment non. Ça s'est passé? En fait, pendant très longtemps, je me suis interdit de réussir. Je vous ai parlé de mes problématiques. J'avais une problématique forte avec ma mère qui me donnait un manque de confiance en moi sur le plan affectif.
Et une problématique forte avec mon père. Mon père était, on va dire, une sorte de tyran domestique. C'est-à-dire qu'il avait plus d'amour que ma mère. Il était plus dans la chaleur, mais il fallait lui obéir. Et il m'a donné une injonction paradoxale. Sois quelqu'un d'important, dont je sois fier, mais surtout ne me dépasse jamais. Donc, vous voyez comme c'est facile de vivre avec ce... Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont ce genre d'injonction. Et donc, j'ai vécu pendant longtemps avec chaque fois que je commençais à réussir, je me tirais une balle dans le pied pour surtout ne jamais dépasser mon père. Et puis, il me le rappelait. Hein, je me souviendrai toute ma vie, quand j'ai commencé à avoir un mini-succès, j'ai eu une page dans Paris Match. Il a sorti un Paris Match qui datait de 20 ans. Il me dit, moi, j'ai eu 8 pages dans Paris Match. Donc, vous voyez le rapport de rivalité qu'il avait avec moi. Et je me suis tiré des balles dans le pied. Jusqu'au jour où j'ai fait de la gestalt-thérapie. C'est une thérapie émotionnelle. J'avais pris conscience de ça en psychanalyse, mais ça ne m'avait pas libéré. Et c'est le donc fait d'avoir fait vraiment un travail sur vous, un vrai travail. J'ai sur fait vous. 10 ans de thérapie. Et donc, avec un travail en gestalt-thérapie, c'est une thérapie émotionnelle de groupe, j'ai symboliquement tué mon père. Je me suis libéré de son regard intérieur et je me suis libéré de lui tout court. Ce qui fait que du coup, je suis sorti du stage, ça a duré 3 jours, c'était d'une intensité incroyable. J'ai hurlé, j'ai pleuré, j'étais dans les émotions. C'est-à-dire que mon corps, c'est l'inconscient, c'est le corps. C'est ça. Donc j'ai libéré c'est tous pas dans les la tête. Nœuds, c'est pas dans la tête. Il faut comprendre et après il faut agir. Et donc il faut être dans l'énergie du corps. C'est pour ça quand vous disiez tout à l'heure à la personne, redresse-toi, crie, dis. Il faut que le corps s'exprime pour que l'énergie connecte avec l'idée. Et j'ai fait cette thérapie, je suis rentré et 3 jours après, tout a changé dans ma vie. Et j'ai commencé à m'autoriser à avoir du succès. Et du seul moment où je me suis autorisé à avoir du succès, le succès est venu. Et mes livres que je ne vendais pas du tout sont vendus à des millions d'exemplaires. Donc tout était en moi, c'est le blocage était en moi. Waouh, incroyable. Incroyable. Et donc là on est dans la journée We Change, on parle de changement. Et je sais que vous êtes autant pour les animaux, que ce soit pour, autour de la méditation, bah, vous êtes à vouloir influencer aussi. Et on pourrait aussi se retrouver dans une situation, bah, je vends ces livres, je gagne mon argent et je fais rien d'autre. J'ai l'impression qu'il y a quand même cette grande bienveillance chez vous, Frédéric, de vouloir faire un impact dans le monde. Qu'est-ce qui vous anime à ça? Qu'est-ce qui est venu? Qu'est-ce qui fait que vous faites ça? Je dirais que pendant longtemps, je me suis occupé de moi. Vous avez compris que j'ai fait un travail de thérapie, j'ai pris soin de moi pour guérir, pour me transformer. Et puis, je suis arrivé au bout de quelques années, enfin plusieurs années, parce que c'est vers 40 ans que j'ai commencé à me sentir très heureux. Vraiment bien dans ma peau, j'ai fait ce que je voulais, j'avais une vie qui me convenait, j'ai fait les choix justes et j'étais en résonance avec le monde. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu du succès, tout marchait, tout, mais je me suis dit, oui, c'est bien, mais qu'est-ce que je fais vraiment pour les autres? Et là, j'ai eu envie d'apporter quelque chose aux autres qui fasse du bien aux autres. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont fait du bien, j'ai eu la chance de faire des thérapies, j'ai eu la chance d'avoir des rencontres spirituelles, d'avoir des choses qui m'ont aidé, éclairé, nourri. Et donc, j'ai commencé déjà à faire des livres qui donnait du sens, et pas simplement des livres intellectuels. Et donc j'écris des livres sur le bonheur, sur la joie, sur la connaissance de soi, etc., pour aider les autres à se transformer, à vivre ce que j'avais vécu. Et puis après, je me suis dit, il faut aller plus loin, parce que je pense que le monde est dans un moment extrêmement critique. On vit une des plus grandes transformations de l'histoire de l'humanité. Je pense qu'on n'a pas vécu une telle mutation, aussi rapide, aussi violente, aussi puissante, à l'échelle planétaire, depuis le passage du paléolithique au néolithique, il y a 12 000 ans, où il y a eu un changement complet de mode de vie à l'échelle de la planète. Les hommes vivaient dans des petites tribus, ils n'étaient pas plus de 20-30 personnes, ils étaient nomades, et se sont sédentarisés. Et on a créé des villages, des villes, etc. Et son mode de vie a complètement changé, sa religion a complètement changé, son mode de pensée a complètement changé. Et on est en train de vivre la même chose en l'espace de quelques décennies. Alors que ça s'est passé sur plusieurs milliers d'années. Ouais, ça va tellement vite. Et à la vitesse, voilà, la mondialisation et l'accélération technologique est d'une vitesse incroyable. Et ça modifie complètement notre mode de vie, notre mode de relation à l'autre, à nous-mêmes, etc. Et donc ce qu'on vit là, c'est un enjeu colossal dans l'histoire de l'humanité. On peut en retirer le meilleur ou le pire. Et plutôt que d'aller vers le pire, essayons de tout faire pour aller vers le meilleur. D'utiliser cette transformation, cette mondialisation, cette technologie pour le bien. Et pas pour détruire la planète. Et pas pour détruire les animaux. Et pas pour détruire les sociétés. Et pas pour détruire les êtres humains. Et c'est pour ça que je m'engage de plus en plus dans la société. Notamment à travers 2 fondations. Une fondation qui s'appelle Ensemble pour les animaux.
où le but, c'est de collaborer avec toutes les associations pour faire bouger le droit animal, le respect des animaux. La première action que j'ai menée, je l'ai menée avec 30 millions d'amis. Vous savez que dans le Code civil français, l'animal était, depuis Napoléon, considéré comme une chose, un objet. Ce qui est un scandale absolu, que dès qu'on connaît un animal, on sait qu'il a une sensibilité, une conscience, des émotions. Voilà. Et du coup, on a voulu faire changer le Code civil. On a réuni 1 million de signatures, ça ne suffisait pas. Les politiques s'en moquaient. Pour eux, les animaux, c'est des trucs de bonnes femmes, mamie à chat, etc. Alors du coup, j'ai fait une pétition que j'ai fait signer à 25 intellectuels comme Boris Cyrulnik, Edgar Morin, Michel Onfray, Alain Finkielkraut, etc. La pétition a été publiée dans la presse. 15 jours après, les politiques s'en sont emparés en disant « mais c'est très sérieux cette affaire » et on a changé la loi. Aujourd'hui, les animaux sont reconnus dans le Code civil comme des êtres doués de sensibilité. Bon, magnifique. Ça, c'est de créer un changement. Mais c'est le début. Ça, c'est bien. Donc, c'est très intéressant parce que c'est un peu la nature de la vie. On teste un truc, ça ne marche pas. Et on cherche une autre solution. On trouve la bonne solution et ça a un impact. Et c'est le début parce qu'il y a un immense combat à faire pour les animaux. Mais il y a aussi un immense combat à faire pour l'être humain. Et donc, je me dis, la clé du changement, c'est l'éducation. Puisque tout se joue dans la petite enfance. On en parle souvent. Ce qu'on a vécu enfant marque notre vie entière. Ce qu'on a compris enfant, tous les schémas, la culture, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé une autre fondation qui s'appelle Sève. Ça veut dire savoir-être et vivre ensemble. Et en même temps, c'est la sève de l'arbre qui monte. On parlait de la croissance tout à l'heure. Et donc, au fond, Sève, on forme des enseignants et des personnes qui ne sont pas enseignants, mais qui ont envie de consacrer du temps à ça, à faire des ateliers de méditation et de philosophie dans les écoles. Et donc, on va dans les écoles et on propose aux enseignants... Magnifique. Je sais que certains le font dans les écoles. On propose aux enseignants soit de se former, soit que des animateurs qui ne sont pas enseignants viennent dans leur classe et font des ateliers de méditation et de philosophie. Et les résultats sont extraordinaires. Là, il y a une personne qui est là, qui s'appelle Attika. Attika, elle a commencé à Trappes, qui est une ville très difficile des Yvelines, où il y a beaucoup de difficultés sociales. Elle a été dans des écoles publiques et elle a fait depuis 2 ans, au nom de Sève, des ateliers de méditation et de philosophie. Et ça a tellement transformé les élèves, la classe, les enseignants. J'ai vu des témoignages en disant « mais les enfants ont totalement changé. Ils apprennent aujourd'hui à s'écouter. Ils ont confiance en eux parce qu'ils apprennent à avoir confiance dans leurs idées. Ils ne répètent pas ce qu'on leur dit. Ils vont chercher en eux-mêmes des idées personnelles. Ils apprennent à écouter l'autre. Ils voient que l'autre a quelque chose d'important à lui dire. Et puis ils ont appris à méditer. Du coup, ils ont appris à se calmer. Ils ont appris à être calmes. Ils ont appris à gérer leurs émotions. Ça les a totalement changés. » Et du coup, récemment, ça a eu un tel impact qu'il y a 2 ministres qui sont venus à Trappes voir ce que c'était que les ateliers de philo. Ils ont été extrêmement touchés parce qu'on se rend compte que ça peut changer totalement l'éducation des enfants. Et donc, j'espère qu'on va réussir à être de plus en plus soutenus par l'éducation nationale pour que dans toutes les écoles de France, on puisse faire de la philo et de la méditation. Et si c'était le cas, on changerait en une génération le monde entier. Tellement vrai. Alors si vous êtes intéressé par Sève, soit parce que vous êtes enseignant, vous faire venir des animateurs dans vos classes, soit parce que vous voulez vous former, vous allez sur le site sève.org et vous avez toutes les indications pour vous former. C'est une association à but non lucratif qui permet à prix coûtant de faire des formations qui sont très peu onéreuses et qui permet de se former à faire des ateliers philo et de méditation. Et puis si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aussi nous donner de l'argent parce que c'est comme ça qu'on arrive aussi à développer ces ateliers et en faire profiter des enfants qui, évidemment, dans des quartiers pauvres où les écoles n'ont aucun moyen de payer des animations. Donc merci à vous parce que vous pouvez nous soutenir fortement. Merci beaucoup. Fabuleux. Ce que j'aime beaucoup dans votre approche, Frédéric, c'est que ça ne reste pas juste au niveau intellectuel. Parce que le nombre d'intellectuels qui restent intellectuels, mais on sait très bien qu'intellectuellement, si on comprend qu'il faut arrêter de fumer ou intellectuellement, il faut se comporter bien avec nos enfants et pas se mettre en colère, c'est bien, mais il n'y a rien qui change. Et donc, ce que j'apprécie, ce qui est rare chez vous, Frédéric, c'est que d'un coup, ce n'est pas juste une idée, c'est concret. Donc là, avec l'association Sève, ce qui est génial, c'est que c'est avec des workshops, si on peut dire ça, concrets. C'est avec de la pratique, c'est pas juste on en parle, parce que sinon ça rentre là, ça ressort là. Le nombre de choses qu'on sait qu'on doit faire mais qu'on ne fait pas.
Donc d'où le niveau de maîtrise doit passer à l'action, l'implémenter jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Donc ça, c'est magnifique. Tout à fait. C'est-à-dire que je me suis dit, il ne suffit pas simplement d'avoir des bonnes idées, il faut les incarner. Il faut être en cohérence, évidemment, le plus possible entre ses pensées et puis ses actions. Mais il faut aussi essayer de faire un change, de participer à un changement sociétal. Pas être simplement dans, si on faisait de la philo dans les écoles, ça irait mieux. Ben non, il faut donner les moyens, parce que d'ailleurs j'avais été à l'époque, j'avais été rencontrer la ministre de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, quand elle était ministre de l'Éducation nationale. Je lui ai dit, j'ai fait des ateliers philo dans une trentaine d'écoles en France, au Maroc, au Canada, etc. Et, tout, et je vois, les résultats sont extraordinaires. Elle me dit, moi je serais tout à fait d'accord pour vous aider, mais il faut former les enseignants, parce qu'ils ne sont pas formés à ça. Mmh. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je vais faire? Une fondation qui va pouvoir du coup financer des formations, et on va former les enseignants comme ça. On a démarré, personne n'y croyait, c'était il y a 3 ans, on a déjà formé 4000 personnes. Donc, incroyable. Dès qu'il y a une bonne idée, dès qu'il y a quelque chose qui est juste, ça marche tout de suite. Parce que c'est ce que disait Victor Hugo. Victor Hugo disait, quand une idée est juste, elle s'impose comme un boulet de canon. Et c'est vrai, dès qu'on sait qu'on a quelque chose qui est juste et qu'on essaye de le faire et qu'on se donne les moyens de le faire, je pense que très souvent, la vie ouvre les portes. Et les choses se passent. Alors, il faut mettre de l'énergie. Ça me prend énormément de temps. C'est beaucoup d'énergie. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce que j'en ai marre? Je préfère être dans ma maison en Corse, tranquillement, à me dorer la pilule au soleil. Qu'est-ce que je vais à 8h du matin dans des écoles de trappe faire des ateliers philo? Et puis, j'arrive, et puis je vois la joie des enfants, le bonheur qu'ils ont à s'exprimer. Je vais vous raconter une anecdote concrète. Et je me dis, ben, je ne perds pas mon temps. Je fais quelque chose qui est vraiment utile. Et du coup, ça me donne de la joie en retour. C'est ça. Et, donc, et voilà, courage. C'est un cercle vertueux. Et je vous raconte le premier atelier philo que j'ai fait, c'était dans un petit village de Corse. Et c'était, le thème, c'était, au fond, c'est quoi le bonheur? C'est une grande question, mais qui est très importante pour les enfants. C'est quoi pour vous le bonheur? C'est quoi pour vous le bonheur? Parce que les enfants, vous savez, un atelier philo, vous ne faites pas un cours de philo. C'est eux qui font de la philo, c'est eux qui philosophent. Donc moi, je dis rien, je dis, c'est quoi le bonheur? Plusieurs disent, le bonheur, finalement, c'est avoir ce qu'on veut. Si je veux une glace et que je l'ai, je suis heureux. Si je veux faire un câlin à maman, je fais un câlin à maman, je suis heureux. Et puis, il y a un enfant qui dit, ils avaient 7 ans, hein, CP. Donc il y a un enfant qui dit « Je ne suis pas d'accord avec vous ». Alors je lui dis « Pourquoi ?» Il dit « Parce qu'en fait, j'ai observé que quand on a quelque chose, après on veut toujours autre chose et on n'est jamais satisfait. Et donc moi, quand on me donne un cadeau, ben, j'en veux un autre et je ne suis pas satisfait. Et j'ai compris à l'âge de 5 ans que si je voulais être heureux, fallait que j'apprenne à me satisfaire de ce que j'ai. » Alors déjà, vous voyez l'enfant ? Incroyable. Alors je lui dis « Tu t'appelles Sénèque ?» Il me dit « Non, Julien ». Et je lui dis, Julien, si le bonheur pour toi, c'est pas lié à la possession des objets, c'est quoi? C'est quoi être heureux? Il réfléchit, prend un ton assez long, et il me dit, ben finalement, être heureux, c'est juste exister au monde. Et ça, c'est une parole que je continue de méditer. C'est vivre. Et ce petit garçon, il est rentré chez lui le soir, et j'ai eu l'information par la maîtresse le lendemain, et il a dit à sa mère avec des étoiles dans les yeux, « Maman, maman, quand je pense que j'ai attendu d'avoir 7 ans et demi pour faire de la philosophie. » Donc il faut démocratiser la philosophie. Il faut démocratiser la philosophie, il faut écrire des livres compréhensibles, accessibles, il faut la pratiquer, il faut aller dans des cafés philo, il faut le faire en famille, il faut le faire à l'école. La philosophie, c'est nous apprendre à vivre. La philosophie, elle est là pour nous apprendre à être plus intelligents, plus conscients, plus heureux, pour vivre mieux. C'est pour ça qu'il faut la rendre accessible. Et on sent cette passion, j'adore. Mais oui, parce que je suis tout le temps critiqué à cause de ça. Parce que mes confrères philosophes, je ne sais pas pour quelle raison, je ne veux pas le savoir, sont un peu jaloux. Et du coup, bah, effectivement, on me dit, oui, ils vulgarisent la philosophie. Mais tant mieux. Bien sûr. Il n'y a rien de mieux que de rendre accessible la philosophie. Et je pense que c'est le secret de votre succès, Frédéric. Parce que d'un coup, on prend un truc hyper complexe, on a envie de, enfin quasi, excusez-moi l'expression, mais vomir au bout de 3 pages, on ne comprend rien, on se sent complètement stupide en le lisant. Ah tiens, je comprends ce que Frédéric Lenoir écrit. Et d'un coup, on se sent intelligent en lisant. On se dit, bah, tiens, finalement, je peux faire la philosophie. Et d'un coup, ça devient accessible. Et c'est ça le but, c'est pas juste de se sentir important, l'idée c'est de faire une contribution. C'est trop dommage que souvent, le langage difficile rend la pensée profonde et juste inaccessible. Il suffit de dire simplement des choses profondes. Et tout le monde peut le faire. Simplement, beaucoup de philosophes s'interdisent de le faire. Parce qu'ils ont l'impression de tomber dans le vulgaire. Il y a une espèce d'élitisme. Il faut rester entre nous. Pour ça, il faut parler de manière très compliquée. Et je suis totalement contre ça. Et c'est déjà Diderot qui disait, il est urgent de rendre la philosophie populaire. Parce que ça nous apprend à bien penser. Et
si en société, on ne pense pas bien, on va être en relation avec les autres qu'avec des affects, qu'avec des émotions, qu'avec des peurs. Et c'est catastrophique. Une démocratie ne peut pas vivre, ne peut pas être vivante, ne peut pas être saine, si on n'est pas dans l'intelligence et la réflexion. Sinon, on va s'engueuler en permanence tout le temps. Et sinon, on va élire, c'est déjà Spinoza au XVIIe siècle, qui était le premier philosophe des Lumières, à dire le meilleur système, ce serait un vote démocratique dans lequel chacun puisse voter et qu'on sépare le politique du religieux et qu'on crée un état de droit qui garantisse la liberté de conscience et d'expression. Il avait parfaitement défini, le premier, ce que sont nos démocraties modernes. Mais il rajoutait, ça ne pourra pas fonctionner si les gens ne font pas de la philosophie, parce qu'ils doivent penser. Parce que s'ils ne pensent pas, ils vont voter avec leurs émotions, ils vont voter avec leurs peurs, ils vont voter avec leur colère. Et regardez l'histoire. Hitler a été élu démocratiquement à cause du ressentiment, passion triste, du peuple allemand après la défaite de 14-18 et qui a été ensuite le traité de Versailles qui a été très injuste envers l'Allemagne. Trump a été élu démocratiquement à cause de la peur et de la colère d'un certain nombre d'Américains qui ont été manipulés aussi par un tas de fake news. Et donc on peut manipuler les gens et pour ne pas être manipulable, il faut simplement réfléchir. Réfléchir, exactement. Et c'est vrai que la société est faite en sorte pour qu'on veut pas trop que ça réfléchisse. Pas vrai, c'est suis le truc, fais ton diplôme, machin, ceci, fais ça, travaille pour quelqu'un d'autre, tais-toi, et fais comme ça. Et donc, la plupart des gens, on va faire l'exercice tout à l'heure, mais parfois je leur demande, mais qu'est-ce que tu veux dans ta vie? C'est quoi tes objectifs et tes rêves? La plupart des gens se sont complètement démunis. Ils se disent, mais on m'a jamais posé la question. C'est toujours dit, les objectifs c'est ça, fais comme ça. Donc c'est je pense que c'est absolument merveilleux ce que vous faites, Frédéric. C'est vraiment un impact maintenant sur des millions de personnes, donc bravo. Et s'il y avait, là on va sur le thème du changement, s'il y avait un message fort, un fort message, qui apprécie Frédéric, ici, là. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Et s'il y avait un message fort envoyé à ces 2500 magnifiques âmes de leaders qui veulent créer un changement, pas seulement dans leur vie, mais pour leurs enfants et dans la société, ce serait quoi? Tout simplement, n'attendez pas que le changement vienne de l'extérieur. Soyez, comme disait Gandhi, le changement que vous voulez voir dans le monde. J'adore cette phrase. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Si vous attendez que le changement vienne de l'extérieur, et plein de gens attendent que le changement vienne de l'extérieur, tout le monde dit ça ne peut plus continuer, il faut que ça change. Mais la plupart des gens disent c'est à l'État de faire changer les choses. Ouais. C'est à mon voisin de changer, c'est à mon mari de changer, c'est toujours aux autres de changer, c'est à l'école de changer. Mais non, commençons par changer soi-même, commençons par changer notre regard, celui que nous portons sur nous-mêmes, sur le monde, et nous allons être du coup beaucoup plus justes dans nos actions. Et parce qu'on sera plus justes dans nos actions, on participera à un changement collectif. Et donc vraiment, une fois qu'on a compris que quand quelque chose va mal, il faut commencer par se dire qu'est-ce que je peux améliorer en moi et comment je peux ensuite agir pour que le monde aille mieux, c'est tout ce qu'on vient d'évoquer, et bien à ce moment-là, on s'aperçoit d'abord qu'on est très heureux parce qu'on a le sentiment qu'on évolue le plus possible et qu'on donne le meilleur de soi, et que même si le monde va peut-être toujours mal, on fait tout ce qu'on peut pour qu'il aille mieux, et du coup, une fois qu'on a fait tout ce qu'on a pu pour qu'il aille mieux, eh ben, je dirais qu'on a une conscience en paix. Et ça nous permet d'être le plus possible engagé, en disant finalement, j'attends pas de résultats, je fais tout ce que je peux pour aller mieux, pour que les autres autour de moi aillent mieux, pour que le monde aille mieux, et après, je peux dormir tranquille. Merci à vous. Merci Frédéric, on applaudit. Achetez-vous le livre, c'est sur réussitemaximum.com. Et si on parle de tout ce que j'ai accumulé, tout ce que j'ai appris à travers les années qui m'ont permis de passer de zéro à millionnaire avant l'âge de 30 ans, si vous voulez aller encore plus loin, allez me rejoindre au séminaire Destination Réussite.